Bienvenue au rallye de Chypre où l'histoire antique rencontre l'art du pilotage. Bienvenue dans notre magazine Inside ERC pour ce rallye de Chypre 2015. Et sur les routes chypriotes, on retrouve Kayetan Kayetanovic, le leader du classement de l'ERC. Il est surnommé Kashto et il vient de Pologne. Il fait chaud et c'est très chaud. On vous propose d'embarquer en compagnie de Kashto sur les routes chypriotes. I szczyt prawie 23 lewy, ciasny średni, 100. De la terre, de la poussière. Et Kashto qui va prendre le commandement avec beaucoup d'autorité après la première série de 4 spéciales assez techniques. Mix de terre et d'asphalte. 5 prawie krótki, mocno skamuj, 30 shooter i 3 prawie zacisk do 2, nie ciąć. 15, 2 lewy długi, późny. Przechodzi 3,3 prawej, przechodzi mocno z hamul piano, lewy 15, jeden lewy nawrót późny, 20, jeden przechodzi 3,3 prawej, przechodzi mocno z hamul piano, lewy 15, jeden lewy nawrót późny, 20, jeden... 20, jeden prawy nawrót... Do nieciąć 2 lewy średni, do 2 prawy ciasny średni i nieciąć 5 lewy szybki długi z hamą 40, nieciąć 3 lewy szybki niesie, do nieciąć 3 prawy, nieciąć 40 mocno z hamą i 2 lewy krótki 30, 1 prawy długi, prawy zahacz, do nieciąć 4 lewy. Le leader du championnat est donc en tête. Ale będzie jechał na kolejnych dwóch rajdach. Nous ne sommes pas encore sûrs de participer aux deux derniers rallyes de la saison en Grèce et dans le Valais. Donc ce rallye est très difficile pour nous sur un plan mental. Ça peut paraître facile, mais c'est tout le contraire. Nous avons vraiment besoin d'y penser, de trouver le moyen de jouer tactique. Oui, un rallye, c'est aussi un jeu. Et cette fois, il va falloir qu'on le joue très bien. Robert Consagny, le Français, est quatrième au classement des pilotes. Il a un nouveau coéquipier pour ce rallye de Chypre, la personne de la Belge Lara Van Est. Elle n'est pas une nouvelle venue en ERC, elle a déjà épaulé d'autres pilotes prestigieux comme Freddy Loix ou Brian Bouffier. Lara n'a pas hésité à prendre la place de copilote en dépit du gros accident de Consagny lors de la précédente étape. Oui, j'ai décidé de le faire aussi parce que c'est un défi. Il a eu une grosse sortie de route, Barum. Je pense que mentalement, ce n'est pas facile de retrouver la confiance et jouer les dés dans cette perspective. Si j'avais peur de m'asseoir à côté de lui, je ne me serais pas engagé comme copilote. Consagny utilise un nouveau châssis pour l'épreuve chypriote, mais la voiture a été prête assez tardivement en raison du crash au Barum. Donc au cours des dernières spéciales, il est encore en recherche des meilleurs réglages en fonction des conditions. Et ces conditions sont ma foi assez redoutables. Ferme 10,
sur droite 10 Delest, attention de suite, gauche 9, attention. Pour droite 10 à fond, gauche 10, gauche 11, comme sur droite 9, droite 9, tourne Milan un peu tard. Dans 45 mètres, défoncé au bout, ciel, droite 11, peut-être bosselé, sur gauche à fond, sur droite à fond, bref, 15 mètres, saute beaucoup, gauche 11, court, à fond, à voir. 25 mètres, gauche 11, bruisson, dans 20 mètres, saute un peu droite 10, 10 mètres, gauche 11, à fond, sur droite 11, à fond, saute, attention, attention, 15 mètres, frein, droite 7, droite 7, sur gauche à fond, 30 mètres, saute beaucoup, piège, frein, gauche 5, et 3, court, en droite 4, Milan, sur ciel gauche de plus, et 10 mètres, frein, changement, épingle droite, gravier, épingle droite. Surtout pas corde. On ferme 7 au buisson. Droite à fond, fini, frein 5 mètres, droite 2. Aïe aïe aïe, trajectoire un peu limite, la bacture sort de la ligne. Mais l'équipage garde son calme. Et voici un des principaux acteurs de cette RC 2015, Alexei Loukianouk, le Russe. Il court avec une licence biélorusse et figure au troisième rang du classement des pilotes. Il a un peu de Colin McRae dans les veines, comme en témoigne cette séquence. Action. Loukianouk a connu des hauts et des bas au cours de cette saison en ERC. En Autriche, ce n'était pas facile. Il avait perdu toute chance de bien figurer après une surchauffe moteur. Ce fut pire en Lettonie avec une sortie de route lors du Lepaja Rally. Mais il allait retrouver les sommets avec un pilotage exceptionnel lors du Rallye d'Estonie. Là-bas, il a fait montre de tout son art de la trajectoire, une incroyable maîtrise technique lors des étapes à haute vitesse, et c'est ainsi qu'il signait sa première victoire en ERC. Très très chaud en Estonie. Et on va revenir à Chypre sous le soleil où Loukianouk défie Kajetanovic, le Polonais. Après sa belle victoire en Estonie, Loukianouk a connu un terrible bas en connaissant les affres de l'accident lors d'essais pour le rallye WRC de Finlande. Oui, un accident qui aurait pu être dramatique. C'est comme un rappel à l'ordre afin de ne pas dépasser la limite, de ne pas aller trop vite. Bien sûr, on avance tous par paliers, on essaye d'obtenir le maximum de la voiture. Mais parfois, on dépasse la limite. C'est une bonne expérience pour moi. Je vais devenir un petit peu plus malin, je pense. Sur l'île méditerranéenne, Loukianouk se bat pour une deuxième victoire après l'Estonie en cette saison 2015. Mais quelle est exactement l'ambition du McRae Russe? Le championnat du monde? Oui, vous savez, le WRC, c'est comme le top niveau. C'est comme du rallye professionnel. En faire partie, c'est un petit peu une autre histoire, c'est sûr.
On essaye d'accéder au WRC juste pour une course, mais j'ai l'impression que l'atmosphère est assez différente. Les rallyes sont plus exigeants. Pour le moment, nous étudions les championnats d'Europe pour l'année prochaine. J'espère que nous réussirons à trouver le soutien financier grâce à nos progrès cette année. Quoi qu'il en soit, c'est une grande compétition et j'espère que l'année prochaine, nous aurons un grand championnat. À la fin de la première étape à Chypre, la puissance commence à faire un peu défaut à la Fiesta de Loukianouk. Cependant, il signe le meilleur temps, mais il n'est pas en mesure de régler le problème avant la deuxième étape et il va perdre toute chance de bien figurer. Le rallye de Chypre reste un beau défi pour lui. Nous verrons après la pause qui a été en mesure de le relever. Il fait très chaud pendant ce rallye de Chypre, des températures comprises entre 30 et 35 degrés, mais bien sûr, il fait encore plus chaud à l'intérieur des habitacles. Je crois qu'il fait 60 degrés à l'intérieur. C'est comme un sauna. Et en plus, il faut travailler un peu à l'intérieur. Il y a de la chaleur et il y a de la poussière. Poussière hors et à l'intérieur des voitures. Comment pouvez-vous voir quelque chose avec autant de poussière à l'intérieur des voitures? C'est très difficile de conduire. Oui, le ventilateur, ça aide pour l'équipe qui attend dans la zone d'assistance. Mais à l'intérieur, franchement, il n'y a rien qui puisse nous aider. Je ne sais pas combien de degrés on a, mais il fait vraiment très chaud. Vient de terminer la première série de spéciales en cette première journée. Et à Nicosie, c'est Cacheteau qui mène le bal. Le leader du championnat reste aux commandes. Oui, on est en tête parce qu'on pousse beaucoup. Peut-être qu'il faut que je réfléchisse à ça, peut-être que je vais un peu changer mes plans. La star portugaise, Bruno Magalhães, se trouve en deuxième position volant de sa Peugeot 208. Bruno doit maintenir son moteur en marche parce que son bouton start est cassé. Alors on va essayer de le réparer maintenant, c'est pas un gros problème, mais si dans une étape on fait un tête-à-queue, que la voiture cale, on perd tout, donc les dernières étapes vont être un peu difficiles. Consani, lui, a déjà perdu près de 2 minutes lors de la première partie de la course. Je pense qu'on a un problème de puissance qui nous fait fausser complètement le châssis. Il doit nous manquer de la traction, mais on n'arrive pas à voir et à trouver d'où ça vient. On a fait un tête à queue, après on a perdu les freins, on les a perdus à l'arrière. Le rallye de Chypre, c'est plus en ce moment pour nous assimilé à de la survie qu'à de l'attaque et de la performance. Loukianouk n'a pas été capable de résoudre son problème avec la direction assistée. Il a dû courir 3 étapes sans ce précieux apport. Il est épuisé. Je n'arrive même pas à comprendre comment il réussit à faire pendant les étapes. C'est tellement dur, on n'arrive même pas à prévoir ce qu'on va faire. On va changer la colonne de direction, j'espère que ça va aider. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ce qu'on va faire. Maintenant, c'est à l'équipe de changer cette colonne de direction. Ils ont 30 minutes pour effectuer le boulot. Pendant ce temps-là, Alexei va se faire masser par sa petite amie. En
dépit d'un gros travail effectué par son équipe, le problème n'est pas résolu et Luke Hanouk va devoir conduire les quatre étapes suivantes sans direction assistée. Oui, la direction assistée ne fonctionne toujours pas. Donc on espérait qu'elle soit réparée et qu'on puisse repartir. Vous pourriez utiliser un volant plus grand. Oui, ça réduira un peu la force sur la direction d'environ 10%. Pas plus. C'est presque rien. Et l'après-midi va donc être plutôt physique pour Luke Hanouk. Les voitures utilisent des pneus et des réglages pour la terre, ce qui veut dire que la suspension est souple et fait bondir la voiture lorsque l'on arrive sur des zones d'asphalte, comme par exemple l'expérimenté Jaromir Tarabush qui lutte lui pour une troisième place avec Kansani. Jaromír Tarabuš sur Skoda Fabia. Les trois équipages leaders du championnat ERC2 sont en compétition à Chypre. Dominikas Boutvilas est troisième au classement du championnat. Il a besoin d'un bon résultat ici pour rester dans la course au titre. Malheureusement pour lui, sa Subaru Impreza va sortir de la route. Et cela, évidemment, compromet totalement ses rêves de championnat. Chypre se termine également sur une mauvaise note pour David Botka, le Hongrois. À la fin de la dernière étape, il semblait qu'il avait gagné la catégorie ERC2, mais quelques heures plus tard, il va recevoir une pénalité de 2 minutes en raison d'irrégularités sur ses pneumatiques. Et il va voir s'envoler la victoire et au lieu de prendre le commandement du championnat, il se retrouve deuxième. Wojtek Steif, le Tchèque sur Subaru Impreza, dispute seulement son deuxième rallye sur terre à Chypre. C'est un gros défi pour lui. Le pilote tchèque doit se contenter d'un budget assez limité. Il réussit à terminer en troisième position de la catégorie ERC2 à Chypre. Il conserve donc sa position de tête au championnat avec 5 points d'avance sur Botka.
Et dans la catégorie RCA, pas de chance à nouveau pour Lucanou qui ne parvient pas à rivaliser avec Cacheto pour la victoire générale. Il espère toujours que son équipe va réussir à régler ce problème de direction assistée avant la dernière étape. On se retrouve pour la deuxième journée de ce rallye de Chypre. Est-ce qu'Alexei Lucanou est un homme heureux? Eh bien non, si cette direction assistée fonctionne à nouveau, il rencontre en effet bien d'autres problèmes. La barre de roulis arrière est cassée, la voiture est difficile à maîtriser. Et regardez comme ces spéciales sont rapides. Лукьянук, Лерус. Court sous les couleurs de la Biélorussie, connaît bien des malheurs, direction assistée, barrière, amortisseur également. Une véritable avalanche de soucis s'abat sur le pauvre Alexei. Mais il n'abandonne pas, il continue à se battre et il va parvenir même à sauver la cinquième place à l'issue du rallye. Décidément, il a bien mérité le Colin McRae Trophy. Il y a du Colin McRae dans ses veines. Tarabous n'est pas le roi des épreuves sur terre, mais il parvient tout de même à sauver la quatrième place du classement général à Chypre. Belle performance pour sa Skoda Fabia S2000. Et ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu Robert Cansani sur un podium. Il avait débuté la saison avec une deuxième place au Jenner Rallye en Autriche. Il obtient une très belle troisième place à Chypre pour cette première collaboration avec l'Araban Est. C'était un rallye difficile pour Bruno Magalhaes. L'année dernière, il avait fini troisième, mais cette fois, il va réussir à aller chercher la deuxième place. Le Portugais a remué beaucoup de poussière avec sa Peugeot, comme tout le monde d'ailleurs. Mais il a dû également s'accommoder d'une bonne dose de poussière à l'intérieur de sa voiture également. Bruno et son coéquipier Hugo étaient contents de pouvoir un peu respirer lors des longues étapes de transition. Mais à fond, c'est des cordes, 750.
Voilà, on ouvre la porte pour respirer. Ils en ont mangé de la poussière, tout va bien. En revanche, pour Cacheteau, le leader du championnat, Cacheteau sur le chemin de la victoire. Mais attention, attention, l'obstacle est au bout du chemin. Il a même rencontré un gros rocher sur sa route. Et encore une fois, rupture de direction assistée. Cacheteau va néanmoins réussir à maîtriser sa voiture. Un reset qui va être fait sur une section rapide. La voiture continue à avancer pendant le reset. Et après trois resets, la direction assistée sera de retour. Heureusement pour lui, ce fut en fait le seul moment un peu chaud pour le Polonais et son copilote Jarek Baran. Il remporte donc conjointement ce rallye de Chypre et s'adjuge leur deuxième victoire de la saison. Voilà une célébration discrète pour le duo polonais. Il faut que je remercie tout le monde hein, parce que mon équipe a toujours travaillé vraiment dur. C'est une grande victoire, elle montre que ça vaut vraiment la peine de travailler pendant de longues années pour vivre ce type de moment. Malheureusement, on ne peut pas être toujours aussi heureux. Les rallyes sont comme la vraie vie. Parfois, ça se passe bien, parfois non. Mais on essaye toujours d'aider le destin. On essaye d'imaginer, de comprendre qu'on ne peut pas juste s'asseoir et compter sur sa bonne étoile. Il faut aussi travailler très dur et essayer justement d'aller trouver sa bonne étoile. Bien sûr, il n'y a pas de rallye facile, chacun d'eux est spécifique. Parfois, il fait moins 30, mais à Chypre, il faisait vraiment très chaud. Il y avait beaucoup de poussière, des sections très rapides, surtout aujourd'hui. Totalement différent des anciens rallyes de Chypre, hein, qui étaient lents et très tournants, avec des étapes qui se passaient parfois dans les montagnes. Donc on a eu beaucoup d'émotions ici. Cacheteau vainqueur, conforte bien sûr sa position en tête du championnat ERC.